عليكم ورحمة الله وبركاته. Bonjour, je m'appelle Asim Elkhan Abdullahi. Je suis une facilitatrice de demi-jour qui travaille pour la DGS. Aujourd'hui, on a vraiment participé cette fois internationale pour la deuxième fois. Et la première fois qu'on avait participé, c'était pas mal, on avait bien grandi. Et puisque c'est la deuxième fois maintenant qu'on avait, on a bien se préparé, mieux qu'avant. On a fait beaucoup de produits, différents produits. Maintenant, les femmes artisans des derniers jours, avant, ils ne savaient rien. Ils savaient faire, mais pas de produits modernes, de couleurs modernes. Après, la DDS a donné beaucoup d'informations avec des designs internationaux. On a même allé à Nadis pour apprendre comment faire le colorant. On a vraiment appris les femmes ça. Maintenant, les femmes ont appris comment faire des couleurs éclairs, plus claires qu'avant, des couleurs différentes, des couleurs modernes, des produits modernes. Et ils sont vraiment bien motivés, bien motivés qu'avant. Et maintenant, ils sont vraiment un niveau plus élevé, parce qu'ils ont appris beaucoup de choses. Et ils ont appris aussi comment se préparer pour un foie, comment préparer pour un foie. Ils sont motivés, ils n'attendent rien des autres. Ils veulent travailler pour eux-mêmes. Et donc, je crois que c'est une bonne idée. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا وحلا إلى هذا الرقية على الدعاء لبا إلى هذا دمرجوك بان كت يان كي مدي وحن كترسنا أور كنوماد وحن حركنا أن كشيء جيا أهرت غي مقسمة أنا علينا يا أديدستا غي مقسمة غا وحي كده كن تاي إنه وح ول بين برتاي سدا وحنو يبسل هين شقدر إما كأن شقينا يا ودم بمن جرنين سألك ما بقي يداي برتاي oo wax walba si wax loo iibsanayo sida habka loo dhaqmayo habka dadka loo soo jiidanayo kiliyoonka sida looga dhaqmayo waxa idiloo la sameynayo dhanbayadana bartay formasyon badayada noo soo proposay waan ka qayb galay maanta tani ugu dambeysa ee foire international kana foire international kana lagu soo gabagabeynayo waa tii soo gabagabeynaysa shaqadii ayna baraysay haddeen maanta waxaan annaga ayaan hawlgelinaynaa hawlgalayna wax kastaan qabanayna iyadoo wax qabadkiisa wax loo qabanay weyna bartay haddeed anaga hawlgalkii iyo sidii wax loo iibsanayo suuqiina weyna bartay anaga haddeed hawlgalayna haddeed toole shaqadana waa shaqadii soo gabagabeyn sameysay adeedaas ay noogu soo gabagabeynaysa formasyon ugu dambeeyay merci baan kale insha allah binilahi kariim anaguna anaga hawlgalayna suuqayaga anaga sideena bartay shaqadeena bartay ma insha allah binilahi kariim suuq iyo meel walba aan la tegi doonaa insha allah casharkayna bartay waad mahadsantihiin merci la de la DDS bale madax ila maami jo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh magacaygu waxa la raa kabtan jibril xeel waxaan ka socdaa gobolka alsoo waxaan ka tirsan urka adeeg maanta waxaan ka qayb galay faarku weynayay tfaadi samir ka dhacay DDS wax badan bay soo gacan qabatay masha Allah meel kasta noo dirtay wax kasta project kasta baan aragnay si wax loo ibsado maanta waxaan arkay inaan naftada isdabiri karayo oo wax waliba iimi karayo aan ku meel mari karayaan arkaya DDS waxaan kale waa maasan tahay the first time peace and blessings of Allah be upon you. Good morning. My full name is Mbarika Abdul Ahmed. I'm from Bekat Kelp, especially Ma'at Artisan. And also we are here today for international markets. So we sell a lot of products, but it is not our first day. Last year we were participate in 2017 we were there and also it was our first exposition. Our second exposition was in Institute of French. Today is our last exposition. I am so happy because of ADDS project. They did everything for us. They make everything for us, and also I'm so happy. And they make for us. They make for us formation like appearance and prescriptoria. All of these things for their reason. So special thanks for our boss, our managers. His name is Eid, and also for others, the workers, and also for facilitators. So, je pense que
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je m'appelle Hayati Bahamad. Je suis la marketing de l'association Gardo. Précisément, notre siège se trouve à Tadjoura. Je voudrais remercier la DDS qui nous a invités ici aujourd'hui. Chaleur, nam, gardez que les garçons, je leur remercie chaleureusement parce que ça a un jour beau la dernière année. Mon gars d'année, a participé à la BNI. Pour les formations, les versions, pour les programmes qui sont tabellés. Et puis, quand on a un way, qui est le pour l'émancipation de filles de Tadjoura, chef de marketing, donc à Sakuna, quelqu'un a animé foire, donc foire internationale. Tout le monde peut participer, donc à foire, à participer, merci à qui nous avons fait le temps, gardez à qui nous et merci pour la DDS. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis Mohamed Abdoui, marketing de FTNU. Je suis un homme qui a été faible, foire de la nouvelle. Je suis un top foire de la nouvelle. Je suis un homme qui a été barcelé, la DDS, je suis un homme qui Bonjour, salam alaikum, je m'appelle Hamza, je suis expert marketing dans le cadre du projet Propeja, promotion de l'emploi des jeunes et de l'artisanat. Aujourd'hui, on est dans le 7e événement de vente à la foire internationale de Djibouti. Et ce sera notre dernier événement de vente dans le cadre de ce projet. Dès le début, les artisans djiboutiens, ils ont bénéficié tout au long du projet des formations qui portent sur la production, comment améliorer leurs produits jusqu'à la commercialisation des produits, d'accord. Et là, ils ont bénéficié la formation s'est répartie en formation interne, la formation s'est déroulée à Djibouti Ville et dans la région, et une formation externe ils ont suivi cette formation à l'étranger, plus particulièrement à Addis Ababa. Parce que comme nous collaborons étroitement avec une ONG américaine qui a travaillé également avec des utopiennes, elles ont voulu partager leur expérience. Les utopiennes, en fait, elles ont voulu partager leur expérience avec les artisans djiboutiennes. Là, heureusement, maintenant, les artisans djiboutiennes, elles sont capables de produire, de confectionner des produits de bonne qualité qui répondent aux exigences de la clientèle étrangère. Voilà, comme vous voyez, vous avez ces formes de ces coasters. Bon, en fait, ce n'est pas un coaster, mais c'est juste pour un truc pour décorer sur le mien. Et aussi un panier spiral orange qui est vraiment joli. Vous avez aussi les artisans désormais avec les formations qu'elles ont bénéficiées. Toutes les associations ont leur carte de business. Comme ça, ils peuvent entrer directement en contact avec les clients professionnels. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous sommes au sein du Palais du Peuple de Djibouti pour participer à la seconde édition de la foire internationale, la foire commerciale internationale organisée par la Chambre de commerce. C'est la deuxième édition à laquelle nous participons. Nous sommes effectivement très satisfait du résultat, étant donné que lors de la première édition, on avait des produits traditionnels, on n'avait pas encore intégré et exposé les nouveaux produits qui étaient issus des formations. Maintenant, c'est chose faite. À la seconde édition,
On a intégralement proposé, pour la plupart, enfin, la majorité des produits qui sont proposés ici sont issus des formations qu'on a fait avec, avec l'appui technique de l'ONG internationale Aid to Artisans, qui est basée aux États-Unis. Donc nous remercions au passage toute l'équipe qui a travaillé avec nous, Frédéric, Maud, Binky, Caroline, Sophie. Je remercie effectivement toutes les facilitatrices qui ont travaillé dans le cadre de ce projet. Je remercie également toutes les personnes qui ont travaillé de près ou de loin avec nous pour vraiment appuyer ce secteur de l'artisanat. C'est vraiment un projet qui me tient beaucoup à cœur. On a mis beaucoup d'énergie dans ce projet. On a vraiment sillonné toutes les régions, que ce soit Lissabié, Tadjoura, Arta, avec Demarjo. On a pu voir que ces femmes font énormément de bonnes choses et qu'elles avaient vraiment besoin qu'on les structure et qu'on leur donne l'envie de continuer à confectionner des produits. C'est ce qu'on essaie de faire avec ces événements de vente qu'on a organisés à travers donc, le projet de promotion de l'emploi des jeunes et de l'artisanat. Donc, il va prendre fin bientôt, en mai. Et donc on est vraiment assez voilà, triste que cette aventure prenne fin. Et nous espérons beaucoup de succès à maintenant la deuxième étape, c'est que ces femmes se prennent en main et que pour la prochaine fois elles puissent être amenées à organiser elles-mêmes des événements de vente comme on a pu le faire aujourd'hui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. مشروع يدتا بقالي استاغير سيغا قراني مدي بلشاد اللغو تاكوليه يو مان توا من لطابان كارو سياسة توسن يو توسمدو ويهار ديگي دبادا آنكو تاغنهي طلابة دهورو ماركالي وشتاي وحاكه ترجمه يو تصالي